Salut YouTube! Encore des 1 contre 1 dans Rocket League. On y va. Hop là. Alors, il va tirer. Magnifique, ok. Excellent. Non mais c'est parce qu'on est le matin. Je vous explique un peu la situation. Là, il est 9h30, on est dimanche matin. C'est la seule stratégie que j'ai pour jouer contre des gens normaux. Puisque quand je joue le soir, en semaine, je ne tombe qu'en contre des smurfs. De toute façon, vous l'avez vu dans mes vidéos. Par contre, le dimanche matin, normalement, il n'y a que des gens normaux. Voilà, très bien. Ok, alors maintenant je vais essayer de commenter un petit peu ce que je fais là. Ok. Alors là, la balle était un peu longue, je l'ai mise sur le côté. Fake jump pour voir ce qu'il allait faire, je l'ai un peu ralenti. Et juste après, j'ai tapé dans la balle un petit peu devant lui. Il n'était pas instantanément dessus, donc il a raté. Là, il est AFK. On va faire croire qu'on fait un setup. On essaie de récupérer la balle. Alors, s'il est AFK et qu'il y a un partout, je vais pas me faire chier. Hein. Oh là là. Eh, l'outplay ici. L'outplay de génie. Je vous montre. Regardez ça au ralenti. Voilà, il était absolument pas prêt à ce que je cut la balle devant lui. Ok. J'espère que vous allez apprendre un petit peu de moi. Toujours FK. Oh non, mais c'est pas très drôle ça. Ok, alors, je vais essayer de vous montrer pour une fois en vidéo. Un truc. Ok. Vous avez vu un peu? Ça, c'est du niveau. Ok. Un petit peu de freestyle, là. J'espère que vous êtes en folie, là, derrière vos écrans. Ok, bon, c'était pas très drôle. Ok. On a un autre match, juste après, c'est contre CR7, bien sûr, Ronaldo. J'ai la ref, j'ai joué au foot quand j'avais 6 ans. Ok, alors je me mets devant mes buts, dans la bonne direction, comme ça, voilà. Dans la bonne direction. Je protège les deux poteaux. Il a voulu faire la double tape classique. Je regarde où il est dans la bonne direction, je suis devant. Il a voulu s'approcher, j'ai avancé la balle. Double jump. Je le bump. J'étais pas dans les meilleures conditions. J'ai pris le boost. Je reste devant. Je m'en vais, je reprends l'autre boost. Je retourne. Et là, j'y vais. J'y vais un peu en dry challenge, là, vous avez vu un peu? Il va prendre le boost, donc il va devoir lasser la balle. Ok, j'ai pas trop ce que j'allais faire là, donc j'ai juste avancé tranquillement. J'ai vu que lui non plus n'était pas serein. On est profité. Sur la droite. Il va la tirer directement. Non, il l'emmène dans le coin. Je prends les petits pattes de boost. Il me laisse la possession. Ok. Je reste quand même dans la zone. Au cas où... Il voudrait faire une dingue. Ça passait devant les buts. Il fallait que j'y aille avant le rebond contre les murs. Ok, on se repositionne bien. On a la possession. Oh, j'ai troll. De toute façon, on peut pas troll 8 fois d'affilée. On peut pas troll 1000 fois dans une game. Non, on peut... On peut troll 1000 games? Non, on ne peut pas. Je sais plus. Je sais plus comment. Oh! Petit coup de Lagos, là. On va tirer. Ça, c'est cadré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas drifté en atterrissant, donc forcément, je me suis retrouvé dans le caca. Dans le gros caca. Ouais, là. Ouais, bon, tant pis. C'est pas grave. Allez, on se reprend. J'ai un chat avec moi.
Il faut pas décevoir. Ok, j'ai fait genre que j'y allais. J'attends de voir ce qu'il fait. Je vais l'attirer directement. Il a voulu la retirer juste après encore. Il est souvent sur les balles. Donc l'avantage avec ça... Qu'est-ce que je peux tirer du fait qu'il aille souvent sur les balles? Oh, magnifique. Oh là là! Et le play était exceptionnel. Qu'est-ce que je peux tirer du fait qu'il soit toujours sur les balles? Eh bien, c'est-à-dire que je peux fake facilement. Non. Je vais pas me mettre à laguer maintenant, quand même. Oh non. Pas comme ça, Zinedine. Ok, donc si je peux le fake... Ok, là il a dû s'attendre à un tir. Oh, encore des ralentissements? Eh non mais, c'est une dinguerie. Oh, c'est injouable. C'est injouable. Non, je l'ai mal dégagé. En plein sur lui. Tant pis, c'est pas grave. Oh non, par contre, là, les micro-lags, c'est chiant. C'est un peu chiant, quoi. Comme si c'était important d'essayer de prévoir les trajectoires des balles, etc. Sur la gauche. Je le bump. Voilà. Ouais, non, quand tu peux pas gagner au skill, il faut aller bump. Il faut aller chercher le bump. Ok. À droite. Non, l'autre droite. J'avais pas le bon timing. Ok, je lui fais peur. Je le rebump. Retourne. Prends le boost. Ok, j'y suis allé un peu tard ou un peu tôt. Mais ça s'est bien passé quand même. Derrière lui. C'est lui qui l'aura avant. Il va tirer. Ara, bien sûr. Oh là là, non. Bon, pas grave. Malgré le lag, j'arrive quand même à m'en sortir un peu. Mais c'est pas extra. Hein. C'est pas extra. Oh, non. C'est pas possible. Ok, il m'a laissé le boost, il est quand même gentil. Je tente de le mettre en difficulté en tirant fort contre le mur. Là, il n'y a pas de galère. La balle revient. Il va faire un dégagement. J'aurais dû être présent. Ok, je me positionne. Petit tir un peu sur le côté pour le déstabiliser, lui faire utiliser son boost. Je tire contre ses buts pour le mettre en difficulté. Je prends le boost. Il y a un de mes viewers là qui m'a dit qu'il faut que j'aille plus chercher les boosts et les bumps. Alors je vais essayer de faire ça, mais c'est vrai que les bumps j'ai un peu plus du mal parce que je suis un peu trop passif des fois sur mes plays. Ouais, il fallait que j'y aille là. Oh, dommage, dommage, dommage. Bon, allez. On reprend. Allez. Match suivant. Et n'hésite pas, YouTube, à me dire si tu préfères avec ou sans la musique, bien sûr. Si tu préfères juste la musique du jeu vidéo. Ou alors, si tu veux juste le son de Rocket League. Ou si on met de la petite musique d'ambiance. Un petit peu de Jul, un petit peu de Matt Pokora. Je lui fais croire que je viens, il a l'air de vouloir s'amuser un petit peu. Le problème c'est que je lag toujours, donc ça c'est un petit peu chiant. Ok, je lui montre que je suis présent, que je suis pas juste... Waouh,
ça c'était pas ouf. J'étais un peu trop rapide pour la balle. Mais c'est compliqué à juger aussi quand il y a des mini ralentissements et réaccélérations. Bon alors, il est là pour quoi lui? Il est là pour enfiler des perles ou... Hop, challenge dans les buts. Oh non, un petit peu au-dessus. Alors il a espacé. Au-dessus encore. Mais je suis pas là pour ça. Moi je suis pas là pour tirer dans les buts. Hein. Moi je suis là pour pousser la balle et collecter. Collecter les erreurs. Ok, je suis pas dans la bonne direction. Là c'était pas mal. Mais bon, avec les lags forcément, on est trop sûr de rien. Ok, je savais qu'il allait vouloir changer la direction. Alors, on fait genre qu'on va setup. Ok, il nous a laissé setup. Le mec est chaud. Waouh, ça c'était du speed. Waouh. Eh. Ça lag trop là, c'est pas possible. Là. Ouais, d'accord, c'est hors de merde. Hein? Alors attendez. Voilà. Non, là, comme ça. Très bien. Ouais, dommage. Alors, il va la pousser, il va faire un setup, on va le laisser setup, on va prendre du boost tranquillement, on va observer ce qu'il fait. Ok, il a l'air d'être chaud mécaniquement. Alors attendez. Voilà, ça c'est la stratégie officielle. On va attendre. Alors quand est-ce qu'il vient? Ok, j'ai eu le boost et le bump. Dommage. Ok. Elle flip pour revenir dans le bon sens. Et ben voilà, un peu trop facile ce jeu. Bon par contre c'est chiant que je lag. Franchement, c'est chiant. Ok. Donc il a freestyle, j'ai récupéré la balle, enfin bref. Un grand classique. Sur la droite. Et derrière, je vais pouvoir avoir la possession. Je l'avance. Il a voulu me bump. Hop, je la repousse dans le côté. Par contre là, voilà, il fallait s'attendre un tir de sa part. C'était le play. Effectivement, j'ai poussé la balle un peu trop fort et je me suis éloigné d'elle en même temps. Je surestime peut-être. Ouais. Oh là là, il est chaud. Hein. Il est chaud ce mec. Ok, kick-off sur le côté, sur le centre. J'ai l'avantage, j'ai la possession. Oh non, par contre là c'est une dinguerie quoi. C'est une dinguerie, il m'a même pas touché. Voilà. Je lag parce qu'on me dédosse. Et donc je perds. Donc je perds parce qu'on me dédosse. Voilà, il a un cheat, et ça me paraît évident. Je lui laisse la balle, par contre, c'était une mauvaise idée de ma part. Après, il a l'air de lâcher la possession instantanément. Donc, mauvaise idée de ma part. C'était en plein dans lui, j'aurais dû aller plutôt sur le côté. Non, pas de ralentissement maintenant, s'il vous plaît. Petit bump, c'est un poteau.
J'essaie de la garder. Keep it alive, comme on dit. Oh non, il m'a bump. Alors ça, c'est une dinguerie, monsieur. C'est une dinguerie de faire ça. Voilà. Allez, encore une petite der là. Da Doctor. Ok, j'ai fait peur. Je vais... Non, pas de lag encore là, vraiment. C'est une dinguerie. Mais parce que moi en fait je viens le dimanche matin pour m'amuser et tout quoi. Si les gens ils arrivent, ils me font ça là dès le début, enfin je comprends pas trop. C'est du platine, des mécaniques comme ça tu devrais être champion, non? Bizarre. Ok. Alors on va lui montrer la puissance du cerveau. Le problème c'est que voilà, s'il y a le lag en plus qui vient, c'est un peu chiant. Ok, ça c'est but. Par contre ça m'énerve qu'il y ait que des serveurs de merde là. Un peu chiant quoi. Non, bah écoutez. Pas mon timing non plus de ma part. On va la pousser. Je reviens vite. On reste présent, on essaie de couvrir un maximum de possibilités. Le petit free play Z, là, j'ai pas trop apprécié. J'essaie de profiter du fait qu'il aille chercher du boost, mais... Ah, c'est chiant, là, tous ces trucs, là. Voilà. Petit flip, un grand classique. Je vous montre un petit peu tout mon escarcelle de technique et de jutsu. Oh non. J'avais bien réussi à le passer, mais... Je vais pas prendre le boost, parce que je savais qu'il allait l'avoir avant moi. Ça servait à rien de se battre. Une bataille déjà perdue d'avance. Faut choisir ses combats dans la vie. Je suis présent. Fake? Oh là là. Oh là là. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le training de super gravité, quoi. C'est-à-dire que. Si je sais jouer avec du lag. C'est-à-dire que je sais jouer sans lag. Fake. Blade flip. Oh la dingue là. La dingue ce que je lui mets. Ok, ok, ok. Je garde la vidéo. Parce que moi je mets que quand je gagne. Je mets pas quand je perds. Donc bon, rien que pour ça, je vais la garder. Va tirer. Ça rentre pas? Si, ça rentre. Ok, je ferme ma gueule. On y va. Il a plus de boost, il va devoir prendre celui-ci. Donc j'ai la possession. J'étais un peu lent à la réflexion et de comprendre ce qui se passait. Il va tirer directement dans les buts. C'est perdu. Ok. On se ressaisit. On se ressaisit. Ah, par contre, très beau tir. Je l'avoue, oh bah tiens, je ne m'y attendais pas. Oh non. Bon alors là, j'ai chié dans la colle. Hein. Franchement, j'ai chié dans la colle. J'ai troll. Ok. Prochain fake, c'est bon. Il prend le boost. Eh non, c'est pas comme ça qu'on dégage la balle, mec. C'est pas comme ça qu'on défend. Mais bon, avec des mécaniques comme ça qui devraient être champion, tu devrais savoir qu'on défend pas comme ça. Non, bon alors ça.
Ça, c'est une dinguerie de laguer à ce moment-là. C'est pour ça que je peux pas tenter de speed flip. Et donc, il me met la max au kick-off. On défend le tir. Il va falloir... Ok, il décide de la pousser derrière pour garder la possession. Il va retirer. Je me mets du bon sens. On prend le boost pour espérer avoir moi une autre occasion supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il gagne la possession. Pas de souci. Je tire derrière lui. Il flip. Un peu tard. Il était déjà dessus. Oh là là, ouais, mais bon, avec les flips, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais wesh! Ok, c'est safe normalement. Ok, bro. Je reste sur ce côté-là. Je te défends. Correctement, j'essaie de bumper, de récupérer le boost. Et là, hop là, petit tir dans les buts. Dans ta mère. Dans sa mère à lui. J'ai évité le boost, le bump. Je me remets là. Bravo à lui. Et voilà, magnifique. Je pense que c'est la meilleure manière d'arrêter ça maintenant. Donc voilà, YouTube à l'année prochaine. Salut. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce et à s'abonner. Mettre la cloche. On va tester ce que ça donne. Allez, au revoir.